Bon, mais ça y est, départ pour la deuxième tournée. On est à la maison, on va rejoindre les autres tourbus. C'est le grand soir, il y a toute l'équipe qui nous attend. Émotion, Flo, ou pas? Émotion un petit peu. On part à Besançon, Saint-Quentin, et on finit à Strasbourg, voilà. Ça fait bizarre de se dire que c'est parti pour une deuxième fois, une deuxième tournée avec tous ces gens qui viennent nous voir. Merci à tous ceux qui ont pris leur place. Ce soir, on vous fait visiter le tourbus. Pas que les bougies qui brûlent. Il y a quoi d'autre qui brûle? Manquer de respect, vous le saurez. Alors papa, t'as quoi à nous dire pour la tournée là? Bonne chance à tous et bon voyage. Buena suerte, buen viaje a todos, felicidades. Il y aura toujours le mot de papa en début de vlog. C'est parti pour la visite du nouveau bus. Il est magnifique. Oh là là, c'est une folie ce bus. Filme la cuisine, frère, elle est impressionnante. Mais on dirait qu'on est chez quelqu'un, quoi. Yaya, un mot pour décrire le bus? C'est une tuerie, il est énorme. Un mot, j'ai dit connard. Ah, pardon. Maintenant, les couchettes, c'est là où on va dormir, il y en a 16, donc voilà. Je vais vous montrer mon lit. Voilà. Maintenant, la salle des merveilles. Il est plus grand que chez moi le salon. Et là ça va jouer à FIFA comme jamais. Les toilettes, on dirait un hôtel quoi. Les amis, vous êtes chauds? Oui. Quand je dis chaud, vous dites chaud. Chaud, 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 chaud. Froid, froid. Je vous explique ce qui vient de se passer. On est parti il y a à peu près une heure et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac. Du coup, on doit retourner en arrière et revenir. On perd combien de temps max? 1h45. Plus que la moitié quoi. Ça y est, maintenant on peut y aller. On vient à peine d'arriver et déjà ça commence. Yanis, tu vas te faire humilier pendant cette tournée. Vous savez pourquoi je ne touche plus cette manette? Je ne touche plus cette manette parce que je gagne Yanis 6 à 2. Et que quoi qu'il arrive, il ne pourra pas remonter, voilà. Je me suis mis dans le lit de Adri, notre ingé son. Et je vais l'atteindre dans son lit. Voilà, j'ai la tête gonflée, on vient de se lever. Routine du matin, ben on va découvrir la salle. Flo, t'es chaud? Voilà. C'est la citadelle de Besançon. Yaya qui prépare le merch, c'est très très propre, c'est lui qui s'occupe avec nous de visionnaire. N'hésitez pas à passer à la boutique, à tous les concerts. Le sourire c'est gratuit? Le sourire c'est gratuit, beaucoup de choses sont gratuites mais les t-shirts sont payants. Ça y est, c'est le grand moment, on est à 10 minutes de monter sur scène. Ouais, ça va être le bordel un peu je pense. Les premières dates c'est toujours un peu le bordel mais c'est ça qui fait le plaisir aussi. Feel the magic in the air, allez allez allez, levez les mains. Je vous cache pas que je suis un peu stressé moi. Besançon, première date, c'est parti. Ici, 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 Besançon ce soir, c'était un truc de fou, c'était la folie. Là je vais rejoindre les autres en loge, j'en profite, je filme jamais, j'essaie, j'ai pas l'habitude, voilà. Je suis pas à l'aise avec un appareil. Après chaud les frérots. Regardez qui vient d'arriver les amis. Toujours là, toujours chaud, toujours présent et toujours sous-sous. Voilà le rituel des débuts de journée de concert. Catering. MB imite Oli. Tu piles ça sur la barbe. Pendant ce temps en boîte, je crois qu'il s'enjaillait. Ça faisait un truc genre. Bon les gars, on a dit qu'on vous disait tout. Mon coiffeur m'a offert ça. C'est un shampoing anti-chute. Anti-chute de cheveux, j'ai un peu honte. Voilà, mon frère se fout de ma gueule. Je vais à la douche avec, à suivre. Big up à tous ceux qui ont des calvities. Faut savoir un truc. Là, c'est un truc de fou ce qui nous arrive. On vient de sortir de l'hôtel. Ce mec est un peu con. Il est censé nous ramener dans la loge. On va aller au concert en fait. Il y a déjà des gens, ça commence à se remplir. Sauf que là, les gens ils sont dans la salle. Et le seul moyen pour aller dans la loge, la dame nous dit, c'est par la salle. Donc on a dit non quand même, on va pas passer par la salle. Là, si tu filmes là, il y a des gens en fait. Il y a la queue. C'est ridicule s'ils nous voient avant le concert. Les gars, c'est un truc de fou.
On est bloqué avec les gens. Et lui, il fait rien. Pourquoi les autres artistes, ils sont en classe? Pourquoi Nekfeu, les mecs cool, classe, là, ils vont, ils arrivent, ils sont en bonne noire, il y a... Urgent, dis-lui. Urgent, du coup, j'ai été récupérer les garçons au niveau de l'hôtel. On est coincé dehors. On est coincé dehors parce que le seul passage pour rentrer dans les loges, c'est la mezzanine, là où il y a déjà du monde. Et devant, il y a toute la queue, donc on ne peut pas accéder au bus. Donc il faut que tu me trouves la solution parce que moi-même, je ne l'ai pas. On prend froid, en plus. Venez, on retourne à l'hôtel. Et voilà, du coup là, on est coincé à l'hôtel avec cet abruti qui est devant la porte là. Romain, une solution? Parce qu'elle prend ça quand même. Oui, oui, bien sûr. Ça, dans 2 minutes, il y a la solution. Il sait pas du tout, il en sait rien. Un petit big up à Alain? Un gros big up même. Je viens de voir qu'il a posté la photo. Finalement, solution, c'est une voiture qui est venue nous chercher et nous amène devant la salle. Ouais, en fait, on fait un concert. C'est pour te dire qu'on est dans l'action d'arrivée. Oli connaît pas les paroles d'un morceau, sac à dos, il arrive pas à les retenir. Sarah, tu te rappelles ta Il les a pas. J'avoue, je m'inquiète. Caminable. Manu, un petit mot pour les Portugais qui regardent la vidéo. Grande beijo pour tous, estamos aqui hoje, 50 ans, com Big Flo e Oli, un grand abraço. Mais c'est une grande festa hoje. Oh! Un grand beau, un gros bisou. Un gros bisou. Un grand beau. C'est parti, deuxième date, on est tous les deux malades. Moi ça va un peu mieux, mais je crois que j'ai contaminé le frérot. Mais on est quand même chaud ce soir, c'est 50 ans. Arrête de mettre les doigts quand tu fais des vlogs, pas besoin. Sois naturel. 50 ans, let's go! Quentin, c'est terminé. C'est vraiment, vraiment super concert et hyper touchant. La chèvre. Même vous savez. Là, on va aller un peu voir les gens, demander un peu comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont kiffé les concerts, faire quelques photos. Ici, ici. Alors Wawad, c'est le premier concert de la tournée avec nous. Franchement, très très bien, je mettrai 8 sur 10. Oh, il y aura toujours la note de Wawad. Tu mets combien sur 20? Je mets 15,5 sur 20, parce que c'était super. Ça, ça fait pas 8 sur 10. Ouais, mais parce que sur 20 c'est mieux. Tu mets combien sur 12? 7 sur 12. Sur 100? Ben... La famille. Allez, on y va. Enculé. Il a cassé la lampe. Je vais voir ce qui se passe en bas. Ah ben y a Max. Qu'est-ce qu'il y a les gars? Vous parlez de rasage de cul? Ouais. Non non mais c'est un délire. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a un délire? L'épilation maillot. La question c'est qui d'après vous a le cul le plus poilu du tous les gars de la tournée? Ouais. Wawad a dit Oli, moi j'ai dit Wawad. Moi je pense que c'est Oli, ouais. Voilà ce que c'est une fun show. Vous imaginez pas que c'est des trucs de ouf hein, les frérots. C'est des discussions de cul. Voilà. Ouais on est cassés, on est fatigués. Bonne voilà. Nuit les frérots. Strasbourg demain? Strasbourg on est chaud. On vient d'arriver à Strasbourg, je vous explique un peu ce qui se passe. C'est chaud, on est tous les deux genre méga malades, extrêmement malades. Strasbourg, je sais pas comment je vais faire ce soir. Maux de gorge, j'ai mal à la tête, c'est un enfer. C'est très rare que je sois malade les jours de concert. À suivre Strasbourg. Le show il est dans 4 heures, il y a déjà du monde là. C'est toujours comme ça nos concerts. Souvent l'après-midi on est dans des hôtels, là on va se reposer pour faire passer la maladie. Il y a Wawad non déjà? Voilà la vie d'artiste. Qu'est-ce qui branle? Regardez les blédards quoi. Un écouteur pour deux. On regarde des petites vidéos, ça fait plaisir. Les amis, aujourd'hui on vient de passer le million d'abonnés sur notre chaîne YouTube Vevo. Alors c'est pas cette chaîne YouTube là, c'est l'autre, c'est celle où il y a nos clips. On espère qu'on atteindra le million d'abonnés sur cette chaîne aussi. Mais là ça fait beaucoup, hein. 1 million d'abonnés. Tout le monde avec moi. Bon appétit. Tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Les gars, je vous explique ce qui est en train de se passer. Il y a notre ingé retour qui nous dit les gars, regardez, j'ai un truc bizarre. Et c'est pas une blague, il fait une réaction allergique, il a des lèvres de brésilienne. C'est très bizarre. Donc je vous tiens au jus. T'as appelé quelqu'un? Oui, c'est en cours. À suivre, Inch'Allah il meurt pas avant le concert. Tout à l'heure on rigolait là, mais apparemment Adri ça s'empire, il devient tout rouge, ça lui gratte partout. Il y a le SAMU qui arrive. Oui, il y a le SAMU qui est en bas apparemment. On est tous les deux malades, notre ingé son il a une allergie. Ça nous porte pas chance Strasbourg là. Et là voilà. Il y a les pompiers carrément. Je sais même pas comment on zoom, les pompiers sont là. J'ai quoi? Oh mais gros c'est chaud hein. Vraiment même ça. Ouais.
Le pauvre, c'est chaud. Hein. J'espère que c'est pas un truc de la bouffe que t'es en train de bouffer ou il est. Attends. Je sais pas. Ouais, en fait. Donc il y a des nouvelles. Malheureusement, Adri va à l'hôpital maintenant. Donc, quoi ouais. Ah ouais, donc du coup, bon, le show va se faire quand même. Mais on le récupérera après le show. Ils ont dit que c'était grave. Mais là, il va à Strasbourg là direct. Ça reste grave quoi. Wow. Non, bah attends, non, si, c'est pour ça qu'il le garde. Mais c'est chaud. Là, c'est vraiment pas beau quoi. Du coup, on fait le concert sans Adri, donc on va faire comme on peut les frérots. Adri vient de partir à l'hôpital, on va quand même faire le show. Toujours là, toujours chaud, toujours présent, toujours souriant. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Strasbourg, vraiment vraiment très très chaud, on a perdu nos voix, on a l'air pâle, mais ça va. Ça s'est bien passé malgré la maladie, une pensée à Adri qui est à l'hôpital à l'heure actuelle. On espère qu'on va pouvoir le récupérer dans le tourbus et qu'on le ramène à Toulouse, on va voir ça. L'envers du décor, il démonte tout le show. Max, oui. Le démontage se passe comment? Le démontage passe très bien même si Adri nous manque. Oh, une pensée pour Adri. Je vais chanter la prochaine fois. Et ouais, les gars. Et notre ami Fast Good Cuisine qui était là. J'ai joué pendant 10 ans du saxophone, mec. Non, c'est vrai. Démo tout de suite. Ramenez le saxo. Je n'ai pas le saxo. Comment tu veux qu'il fasse une démo sans saxo? C'est très dur de faire la sauce fromagère. 5 kilos de mou en fait. Non, mais parce que je sais pas. Non, j'essaie de la faire. Elle a voilà, bon les gars. En fait, j'essaie de faire la sauce fromagère du tacos, mais il y a toujours des grumeaux. J'arrive pas à faire une sauce lisse. Est-ce que t'as un petit secret? Tu dois chauffer la crème trop fort. Il faut y aller doucement. Ah, il est bon. C'est précis. Ils sont chauds de bouffe. Hein. J'ai l'impression de gonfler les gars, je vous jure, c'est rigolo. Tu gonfles pas? Au regard de mes lèvres, je sais que vous avez le regard des gens qui trouvent ça bizarre mais qui osent pas le dire. Ils gonflent. Et surtout abonnez-vous, bande de bâtards.